I suddenly feel really tired. Well, good. I think we're going to see the sun come up. Stan! Shannon! We're in a bit of trouble here. I managed to escape. They took Amy. I'm gonna try to get her back. Don't do anything stupid, Corey. I can get them! Corey, by yourself, you're gonna get killed. Voilà, on est de retour dans la forêt, on va faire tout le chemin inverse. Oh putain. Oh putain de merde. Oh là là. Par contre j'ai rien. Donc on va courir. Oh là là. Fall Creek's middle class dungeon. I always hated this place. On est de retour au tout premier niveau. Bon, c'est très sombre, hein, je vois que dalle. Hey, nice find. Delta Theta Gamma. I didn't think I would ever set foot in here. That saved me. Hey, not too bad. Est-ce que je peux... Socrates 3, this is Professor James. Do you read me? Over. This is Socrates 3, I read you loud and clear. We're hitting some turbulence. Stand by. Over. We have a new pickup location. Lincoln Stadium. I repeat, pick up the specimen on the Lincoln Stadium grass. Over. Oh no! Not now! Très mauvaise idée d'aller par là, je crois. Lincoln Stadium? J'ai pas d'armes, j'ai que dalle, putain, c'est ouf ça. Ça va être chaud là. Faut avoir courir comme des dératés. Portée condamnée, très bien. On avait déjà lu tout ça. Hein. Je sais pas trop. C'est fermé avec les d'accord. Bah, je vais avoir le choix en fait. Ça fait un peu chier, j'ai pas envie de. Oh putain de merde. La meuf qu'elle s'est prise dans la gueule. Accroche-toi, putain. Bien. Je vais pas pouvoir, putain. Il faut que je... Ah, putain. Il faut que je redescende là. C'est possible, ouais. Que je reprenne par ici pour redescendre ce truc là. Ah oh, putain, que je revienne là pour monter ça comme ça. Ah oh, putain, c'est méga chiant. Comment je vais faire? Je vais pas avoir le choix. Il va falloir que je... Non pas celui-là, mais celui-là potentiellement.
Qu'est-ce qui bloque? C'est celui-là qui bloque. Ah, c'est lui qui bloque maintenant, putain ta mère. Je vais galérer ma race. Hein. Encore une fois, c'est le dernier crochetage, mais il va me donner du fil à retordre, je crois. Ou pas tant que ça au final. Oh là là. Je connais ça, putain. On se barre. Oh là. On se barre, on se barre, on se barre. Je peux pas, allez. Oh là là. Par où on va? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas du tout ce qu'on fait là. Par où on peut se barrer? Putain, je vois rien! J'ai pas de lampe torche, j'ai rien! J'ai aucune idée de quoi faire là. Lâche-moi ça. Mais ça sert à rien ça, allez. Qu'est-ce que je fais là? Faut peut-être que je descende dans le trou, en fait, c'est ça? Ouais, bah moi non plus. Allez. Pas une deuxième fois, c'est hors de question. Attends, tu te mines les fesses! Oh là là! Redescends pas, toi! Allez, grimpe! Oh là là, c'est ouf que c'est moi qui dois faire les deux, quoi. Je vais pouvoir garder ma trousse pour le moment. Et c'est par là qu'on va. Ok. This doesn't look like the bathroom door. Nobody's going to open if we don't knock. We'll open first and knock later. That's okay with me. Flairgun. Le médaillon. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, j'en ai deux. C'est pas les mêmes. Intéressant. Ok, donc j'ai... Deux secondes. J'ai un flare gun et une batte. Je vais filer ça. Je me demande si ils ont passé par cette grande porte. Ce gars travaillait pour Delta Theta Gamma. Il semble qu'il y a une vacance maintenant. Donc la confrérie bossait pour... pour une entité plus grande que ça, je pense. Parce que le professeur est, du coup, est impliqué dans tout le... condamné, d'accord, bah alors, par où je passe. Attendez deux secondes, mais... Ah mais si, oui, il y avait un portail. Ah mais oui, je me souvenais plus de ça. Ouh, la vache. Deux secondes. Delta Theta Gamma. Oh, attendez deux secondes. Il faut que... Je sais pas, attendez deux secondes. Alors ça me dit... Wait, what? Ah, ok, d'accord, très bien.
Mais waouh, attendez, je bite rien du tout. C'est quoi Delta Theta Gamma? Attendez deux secondes. Il y a bien le truc accroché là. C'est quoi? C'est. Ok. C'est ça. Donc, très bien. Maintenant, il faut que je bouge ce truc-là. What? Ok, très bien. Delta Theta Gamma, on est sur ce symbole là du coup. Et là. Ouh, ok, très bien, parfait, nickel. Et je suis de l'autre côté. Et j'ai du monde. Non, j'ai cru, je sais pas, si. Ah non, c'est elle qui doit éliminer la. La présence? Non, je sais pas c'est quoi ce bordel. Oula. Oui, c'est elle, d'accord. Oh merde! Putain ta mère! Oh! Bon, j'ai plus rien pour récupérer les brosoufs. Elle a bouffé toutes les balles, je suis sûr, cette connasse. Non, c'est bon. Je vois rien du tout, c'est ouf là! Ah, c'est beaucoup mieux là d'un coup! Disque avec un symbole, avec des trous dedans d'ailleurs. Qui me servira dans pas longtemps, je pense. Wow. This fraternity building is huge. It looks like a ceremonial room. They're either megalomaniacs or they have something they're trying to compensate for. J'ai encore une sauvegarde. Oh là là, mais c'est pas fini. This place must have a very dark hit when it's all over. We'll have time for romance, okay? You mean a date without guns? That'll be strange. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait tout ça de jeu après le après la fin quand même. Les petits salauds. Ils avaient bien caché ça. I'll never get used to this. Oula, je peux monter en PL tout de suite. Ouah, j'aurais peut-être pas dû faire ça. On va d'abord examiner la pièce, mais en tout cas je peux passer. En fait, le Flargun, c'est super puissant, hein. Quand je vois comment on s'est débarrassé de la bestiole, là. We need the code. Again? It means he's still hiding somewhere. Ouais. C'est ça d'où je viens? Non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est ici? Oh, putain, sérieux. Ça va jusqu'où, là? Oh, la vache. Voilà, ok, d'accord. On a le code quelque part, par là. Ça, c'est fermé. Attendez, comment je fais pour savoir quel est le pilier qui permet de savoir le... Comment je fais pour savoir ça? Je
sais pas comment je vais faire pour savoir ça. Attendez deux secondes, un truc. Il y a un moyen de savoir quel pilier... Il manque un truc, j'ai l'impression, là. Oh putain, attendez deux secondes. Non ? Putain, je sais pas. On va d'abord... On va aller se trimballer ailleurs. Je pense que je peux pas avoir la solution tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a dans cette porte ? Waouh ! Putain, les gars, ils ont un musée ! C'est dingue ! Le lac de Fall Creek, moins angoissant que cette nuit. Une carte précieuse et des livres récupérés à Lifmore. Ta mère, ça gâche tout, moi. Une très vieille peinture de la salle de cérémonie. These things come from Leafmore. It seems that the Freemans are superstars here. Great. Putain. So there's a future for psychopaths. C'est un des monstres qu'on a combattu à Leafmore il y a deux ans. Ils l'ont embaumé. Oh mon dieu, je me souviens de ces conneries. They stuffed the things we fought at Leafmore 2 years ago. Nice collection. That brings back memories. One of them still has bullet marks. Wow. Le 16 avril 1903. Moi, Theodore Willidge, actuel président des États-Unis d'Amérique, prête aujourd'hui serment d'allégeance devant les hauts frères de Delta Theta Gamma. En tant que membre d'honneur de la confrérie, je m'engage à ouvrir à ses membres les portes du gouvernement, leur apportant tout soutien politique, législatif, administratif ou financier. Par mon sens, je m'engage à assurer la pérennité du lien d'honneur qui unira Delta Theta Gamma et les États-Unis et les États américains, pardon. Ensemble, nous veillerons à ce que tout nouveau président au pouvoir soit éduqué et intronisé. Ainsi, jamais une âme vertueuse ne manquera au cœur de notre patrie. Oh putain, la vache! Le président des États-Unis was part of this fraternity of weirdos? 6 mai 1904. 103e cérémonie traditionnelle de la réunion des loges. Paris. Dans les souterrains du 51 rue Montmorency. Nous remercions chaque loge mère de nos 96 pays frères d'avoir empêché pour l'occasion leur maître de cérémonie. D'avoir dépêché, pardon, pour l'occasion leur maître de cérémonie. À l'occasion de cette célébration, les hauts frères ont voté à l'unanimité l'inscription dans les codex de la confrérie des récents travaux de Leonard et Robert Friedman. Leur découverte sur la possibilité d'une vie éternelle promet à Delta Theta Gamma une place souveraine au sein des forces vitales de ce monde. D'accord, ouais, c'est encore un truc complètement sectaire. Bah putain, ouais. Dans 96 pays différents. Putain, il y a plein de trucs à regarder, là. L'ancien codex, c'est un volume ancestral en latin. Voilà, mais c'est des trucs qui datent, j'ai l'impression, d'il y a super longtemps. Qu'est-ce que je peux pas regarder la peinture, là, hein, j'ai l'impression. Des chartes que les membres de la confrérie semblent vénérer. C'est complètement fou. Alors, il y a un truc que je peux pas ouvrir pour le moment. Des notes de recherche plus un microscope ayant appartenu au Friedman. Encore un disque. Putain de merde! L'autre, là. Les autres, s'il vous plaît. Putain. Pète la gueule du gros, là. Bordel. Ah, putain, j'ai pas beaucoup de soins. Il est sorti d'où, lui? Putain. Une travail peinture. Mon cul sur la commode. Et quoi, là? It's this tree that messed everything up. The first Mortophilia. Je sais pas d'où il est sorti ce Strum là. J'avoue que je récupérerai bien une ou deux clés encore.
wouldn't surprise me if they printed t-shirts with the symbol on them. Où est l'étage? Ah, d'accord. Très bien. Donc le dernier morceau, c'est quoi? C'est celui qui est en haut à gauche. Ou celui qui est en bas à gauche. Bah à gauche du coup, hein. c'est ce que je vois. Hein. Je vais prendre note de ça quand même. Putain de silo qui écrit pas, bordel de merde, allez! Oh là là! Je devrais monétiser mes vidéos, ça me permettrait d'acheter du matériel de meilleure qualité. Dit-il en parlant de stylo. Non, oh là là, je fais n'importe quoi. Ok. Là, on va mettre celui-là. Ouh, c'est moi, il y a des trucs qui s'affichent. Just because some idiot sniffed some flowers. At least you'll have something interesting to tell your children. Mais il les tient aussi, du coup, non? Stop, arrête de tourner là, s'il te plaît. Que je puisse. Ok, c'est donc le pilier de gauche. Et celui-là. C'est le pilier qui est. En bas. Si je comprends bien, mais attendez, il y en a plus que 6. Attendez, qu'est-ce que je fais? Oh là 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 là, putain de merde. Attendez, 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 je fais n'importe quoi. J'ai plus de place en plus sur ma feuille de merde là, attendez. Donc, le premier, c'est celui-là. Oui, d'accord, celui-là, j'avais dit que c'était celui de la gauche, au final. Tout à gauche. Et le dernier, c'est... J'écris n'importe quoi, hein. C'est juste que j'ai très mal pris des notes. Celui encore en bas, ok. Donc ça va, ça, je devrais m'en sortir, normalement. Je crois, hein, j'espère. Et quoi par ici? Poser mon stylo. On descend. On descend par où? Prendre. Prendre quoi? Oh, salopard, hein. Petit saligo. Et on revient de ce côté-là. Hey, what is this? No, not you. Quoi? Impossible. Useless walkie-talkie. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Donc ça nous ferait un... 1-6-4? On va voir. C'est pas ça. Fuck. Fuck. Par contre, j'aimerais bien savoir où est la dernière des trois clés. Faudrait que je la trouve. Ok, donc j'ai trouvé la dernière clé. Elle était dans la cour par laquelle on est arrivé. Donc là, je devrais pouvoir ouvrir ça. Et je trouve quoi dedans? Wow, la vache, sérieux? J'ai des balles avec ça? 30. Hein. Putain. Je vais rien lui donner pour le moment. Oui, bah pas tout de suite. Je t'en donnerai une quand il y aura des ennemis. Ou quand je déciderai que t'auras besoin de te défendre. Maintenant, reste à savoir comment on va se démerder avec cette énigme là. Ah mais d'accord, en fait, ok. Oh putain! Ok, deux secondes. Ok, très bien. Donc non, c'est complètement pas bon là, en fait. Ok.
Donc là, il faut... Ok, très bien, très bien. Donc c'est celui tout en haut qu'il me faut. Putain, c'est encore plus intelligent que ce que j'imaginais comme énigme. Mais fallait le deviner par contre. Hein. Donc celui qui est à gauche, là, du coup. Hein, on est d'accord. Et celui-là. C'est celui qui est en haut à gauche. Très bien. Ok. Donc, maintenant. Je sais exactement. Bon, c'est pas que je me plante. Donc, le premier, là-haut, est le premier. Oui, ce que je dis n'a aucun sens, mais c'est pas grave. Donc, celui-là. 3. Donc, j'ai un 3. J'ai un 2. Et j'ai... bah, attendez, c'est celui-là, le troisième. Un 3, un 2 et un 5. Oh! Tractus de Superstitionibus. Ce bouquin date de 1559. Fais-moi un truc, non. D'antiques ouvrages occultes et scientifiques. La bande-son fait des trucs bizarres. De Vermis Mysteris, pas rassurant comme titre de bouquin. Les fluides de la mandragore. Les fluides de la mandragore. C'est pas un livre de recettes, ça. Non, en effet. I don't have anything to defend myself with. I know. Codex majeur de l'ordre du temple. Au moins 1000 pages. Lost for the benefit of humanity while they were opening the gates of eternity? Benefit? Not really. Maybe they see the Freedmans that way. Parce que c'est vrai que les Freedman, je crois, avaient vécu très longtemps, il me semble. Mystère gnostique. Écrit par un obscur alchimiste. Écoutez, je vais me soigner déjà parce que... Cool! That did the trick. De William James, le 25 octobre 1902. Cher Léonard, on ne peut désormais plus nier que votre chère plante ramenée d'Afrique ralentit le processus de vieillissement des cellules. Elle le freine totalement. Nous allons guérir l'humanité de son plus grand mal. Nous allons tuer la mort elle-même. Reste à affiner le processus pour qu'elle se plie aux exigences du corps humain. Je comprends la passion que vous mettez dans votre quête, mais aucun de vos cobayes n'ayant survécu jusqu'à là serait suicidaire en faire usage sur vous-même. Le 8 mai, alors le premier c'était quand? C'est le 25 octobre. D'accord, ouais, donc bien 6 mois après. Cher Herbert, nous savons que l'étau se resserre. Utiliser vos élèves comme cobayes était une folie. Heureusement, les plaintes des parents d'élèves n'aboutiront pas. La confrérie a d'ores et déjà fait un appel à d'anciens membres très haut placés au gouvernement. L'affaire sera bientôt étouffée. Les recherches doivent continuer. Nous devons sauver votre frère Léonard, ainsi que ce projet. Nous allons, pour ce faire, vous envoyer régulièrement de nouveaux cobayes par une voie officieuse. Le savoir absolu impose que l'équilibre soit maintenu entre les âmes éclairées et les ignorants. Les membres de Delta Theta Gamma auront pour mission d'utiliser ce savoir au bénéfice de la société. Honorer la nature et révéler aux hommes les dons qu'ils ne voient pas.
Vous, l'élite spirituelle de ce monde, devrez tout sacrifier pour le bien des hommes, y compris s'il le faut, les hommes eux-mêmes. Vous serez ainsi les garants de la raison face aux dérives de l'humanité. Medicus curat natura sanat. Le médecin soigne, mais c'est la nature qui guérit. Jared Crowley, père fondateur, 1760-1852. Sacrificing others is not a sacred thing. No, it's murder. Power always ends up in the hands of madmen. Mais... Putain, où est-ce qu'on est? Oh. Hey, nice find. Sac de sport. Ah, mais il y a... Ah oui, d'accord. J'ai 5. Holy shit. Oh my god. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh putain. Oh ta mère. Une batte cloutée. Putain, excellent. Wait, ok. Waouh, c'est quoi ce bordel? Sérieusement. Je pense qu'on est pas trop mal, hein. Mais, je peux aller nulle part ailleurs, hein? Oui. Si, je peux, c'est ce qu'il me semblait. Je sais pas pourquoi. Ok, très bien. Bah, si tu le prends comme ça, c'est bon, il se ramène. J'aime bien ce lieu-là, c'est cool. Ce petit parc là. Où est-ce qu'on va? Ah, le Fall Creek Stadium, on y est. Bon, ça sent le boss encore, hein. Je peux recharger des armes électriques, mais j'en ai pas. Bon, ben... Sauvegarde. Qui je pense sera la dernière du coup. Et je m'attendais pas à ce que ça dure si longtemps quand même, hein, cet après... cet après fin du jeu. Le coup de barre, tu veux dire... le coup de batte. Lol. Je le savais. Corey, even though I took everything you cared for away from you, you will come to love me like a brother. For you and I will be the same. You know what, Kenny? There's only one person I ever belonged to. And it was May. Ok, donc ça va se finir entre... Ok, entre... Comme les... Ok, ça va se finir entre les vieux potes, là. Oh, je vais te foutre ta branlée, mon gars. Stan,
Wait till I catch you, my spy. Attends, il faut que je... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse un truc, mais quoi? It'll be able to get a taste of my je ne sais pas. I never thought my brother would become a deformed pervert. Deformed. Ok, c'est trop tard. Bon, il a fini de m'envoyer ces merdes là. Je peux rien faire avec ça, c'est quoi ce merdel? Qu'est-ce que je fais là? Ah mais il y en a là-bas, je l'avais pas vu. Ok, bon, on va la refaire. Putain! Ah bah je suis mort, ok, très bien. Ok, on la refait. Tout va bien se passer. Je m'attendais tellement pas à ce que l'autre se tire une balle, quoi. Allez. Cool. It'll be able to get a taste of my gun. I never thought my brother would become a deformed pervert. Deformed? Who are you calling deformed? Je sais pas ce qu'il est en train de me faire là. On peut faire quelque chose là ou... J'ai fait la moitié. Moitié du boulot. Est-ce qu'elle a encore des balles, elle? Oui, elle a ce qu'il faut. Putain! Non, alors, attendez, non. Mais il a pas pété le truc? Je peux rien faire, là? Attendez, si. Non, je peux rien faire. Oh, la merde! Il va me falloir... Putain, je sais pas. Bon, bon. Il est en train de viser Kenny. Qu'est-ce qu'il faut que je... Ah si, c'est bon. Ouais, faut que j'appuie sur ce bouton là. Allez. Ah putain. C'est quoi cette sorte de caméra de merde là?
putain. I need a weapon quickly. Ah putain. Je te file. Je vais te filer ça. Allez. On est grave dans la merde là par contre. Putain. Oh la merde. Comment ça marche ça? Oh, faut que je le crochette, d'accord. Crochette! Allez. Oh putain, merde, 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 merde. Allez! Yes, je l'ai eu. On se barre. Ça va être chaud de la bite là. Ça va vraiment être chaud. J'ai plus de son du tout. Oh putain! Quelle merde! Charge. Putain, faut que je me barre. Mais non! Oh putain! Allez. On y arrive, c'est bon. Par contre, elle, elle a plus rien, je crois. Je vais lui refiler le... ça. Et puis ça va faire. Hein. Ça, on n'a pas trop le choix. Hein. En fait, je vais même lui refiler ça. Je vais tout lui refiler. Avance. Il en reste plus qu'un là. Oh putain. Oh allez. Yes. Don't worry. I'll make sure it will be dealt with. I won't allow it to live. Shannon!
this is finally the end of it? I don't know. But it is time to cut all family ties, once and for all. Rock and roll, baby. Rock and roll. Ils nous refont le coup là. Ils nous refont le coup du générique. Ok, ok. Bon, cette fois-ci, je pense que c'est la bonne. J'espère, en tout cas. Et ben, je m'attendais pas à y passer autant de temps au final sur cette dernière session. Je pensais être qu'on était proche de la fin, mais. Mais au final, il restait quand même un petit bout de jeu. Et particulièrement après cette espèce de faux générique, c'est plutôt sympa. Bon, alors du coup, qu'est-ce que je vais pouvoir dire sur ce obscur? Eh ben, je sais pas trop. Je vous avoue que pendant le premier générique, j'ai trouvé ça vraiment pas terrible, mais je dois vous avouer que la petite séquence post-générique, post-premier générique en tout cas, relève un peu le niveau, j'ai envie de dire, ou en tout cas scénaristiquement. Mais voilà, au final, ce Obscure 2, c'était un bon jeu. J'ai plutôt apprécié le faire. Hein. C'est vrai que j'ai pas mal pesté à plusieurs occasions, particulièrement pendant la première moitié. Mais je pense qu'il fallait que je m'habitue. Que je m'habitue vraiment au jeu, à sa manière de faire, à ses ennemis ultra agressifs et à son équilibrage auquel j'avais du mal à faire face. Puisque j'ai pas l'habitude d'avoir des jeux qui sont équilibrés de la sorte. Hein. Je vous l'ai déjà dit, moi j'ai plutôt l'habitude de jouer à des jeux qui, même si ils s'équilibrent en fonction de la manière dont le joueur joue. Il n'y a pas trop de problème avec ça, les Resident Evil le font, par exemple le remake de Resident Evil 2 le faisait, même Resident Evil 4 à l'époque déjà le faisait, c'est-à-dire filer plus ou moins de munitions en fonction de ce que le joueur a dans son inventaire, sauf que là il joue peut-être un petit peu trop là-dessus, ce qui fait que c'est normal de se faire foutre sur la gueule par les ennemis, le jeu va nous donner suffisamment de soins pour y arriver en fait, pour finir le jeu. Et ça sert à rien d'économiser, parce que sinon le jeu nous fera absolument rien. Et c'est un petit peu étrange comme équilibrage, et moi j'ai l'habitude de jouer à des jeux qui récompensent justement les joueurs qui jouent bien, à savoir si on est économe, si on joue correctement, qu'on arrive à économiser nos soins et nos munitions, en toute logique on devrait en avoir un petit peu plus pour la fin du jeu, et être un petit peu plus safe. Au final je comprends le fait d'équilibrer un jeu comme ça, mais là c'est peut-être un peu trop au final, c'est peut-être un petit peu trop, c'est une espèce de... Au final, on sait très bien qu'on potentiellement on va y arriver parce que le jeu va rééquilibrer pour que aussi bien, enfin qu'on soit bon ou qu'on soit pas bon, au final on y arrive. Et je trouve ça un peu étrange quoi. Ça enlève une partie du plaisir me concernant en tout cas, parce que moi j'aime bien me retrouver avec des inventaires un petit peu remplis. Hein. C'est comme ça en règle générale dans les Resident Evil ou dans les Silent Hill. Et au final voilà, moi c'était un des problèmes que j'avais sur le jeu. Je pense que c'est un petit peu tout lié à ça, l'agressivité des ennemis, le fait que les personnages parfois se contrôlent un petit peu bizarrement. Sinon, il y avait un truc aussi, j'ai mis un peu de temps à m'adapter à ça. Et merci aux personnes qui m'ont notifié ça dans les commentaires, il y en a plusieurs qui m'ont dit ça, c'est que il faut laisser en fait l'intelligence artificielle tirer à notre place. C'est une espèce de mécanique de gameplay qui est un peu cachée et qu'il faut utiliser parce que l'intelligence artificielle tire sans se planter, même si elle gaspille des balles, elle tire sans se planter, enfin elle gaspille des balles, pas tant que ça au final, puisque le jeu, comme je le disais, est équilibré de telle sorte à ce qu'on dès qu'on est plus de enfin à ce qu'on soit toujours sur le fil en fait. Et donc au final c'est pas plus mal de laisser tirer l'intelligence artificielle, particulièrement pendant les boss et pendant Kenny, puisque Kenny en fait me vise moi la plupart du temps, notamment avec ses espèces de fumée noire, et donc c'est pas mal de laisser c'est ce que j'ai fait d'ailleurs hein, à la toute fin, hein, j'ai filé toutes mes armes à Shannon pour que moi je puisse me balader à droite et à gauche. Alors est-ce qu'on a encore une scène? Roulement de tambour. Cet écran noir est très long, un petit peu trop même. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai un écran noir là? Allô? Le jeu a planté ou quoi? Qu'est-ce qu'il me fait? Bon, et forcément, c'est au moment où moi je décide d'arrêter l'enregistrement
et potentiellement de voir pourquoi le jeu a planté, que on revient à l'écran titre. Ça fait un petit moment du coup. On n'a pas de bonus comme dans le premier Obscur là ? Option succès, c'est quoi ça ? Je veux pas aller dedans. Je veux pas aller dans succès, c'est dommage. Option, on n'a rien d'autre, j'ai l'impression. Je sais pas, bon, on peut pas, c'est dommage, y a pas de bonus. Donc au final, oui, voilà, et quelques mécaniques, et un équilibrage et une certaine manière, un rythme du jeu auquel il fallait que je m'habitue. Et ce qui était pas simple, hein, parce que moi je comprenais pas pourquoi, comment ça se faisait que je m'en prenais autant en plein la poire, et je pestais un petit peu contre le jeu, parce que j'étais pas complètement conscient que le jeu, pour lui, c'était normal, et qu'il allait, derrière, automatiquement me redonner un peu de soin, un peu de balles pour que je puisse continuer. Moi, je ne voyais pas du tout ça comme ça. Pour moi, c'était bloquant de galérer autant contre les monstres. Ce qui m'a un peu dérangé aussi, c'est la maniabilité. Je trouve que c'est assez étrange. Le système de combat est un petit peu, j'ai envie de dire, peut-être un peu rouillé. Je sais pas si l'expression est bien choisie. Mais ça, bon, après, ça, c'est un survival horror, donc je me fais pas trop de build là-dessus, mais... un truc qui me dérangeait aussi, moi, c'était un peu parfois que les combats sont un peu fouillis, parce que comme les ennemis sont très rapides, c'est parfois très difficile de non seulement de choisir la bonne arme. Bon, hop, je vais passer cette vidéo, quoique non, je vais la laisser en fait au final. C'est difficile de choisir la bonne arme tout en esquivant les ennemis, tout en essayant de soigner son coéquipier avec le menu sur la gauche, tout en essayant de tirer sur l'ennemi, parce qu'il y a un petit temps de latence entre le moment où je tente de pointer mon arme et le moment où je peux tirer. Et puis surtout que c'est assez bizarrement fait, la manière dont je tire. Je ressens pas la puissance des coups, la puissance des impacts quand je tire, la puissance des coups de feu. C'est très étouffé et j'ai cette désagréable impression de jamais faire de dégâts à l'ennemi en fait. C'est ce qui m'a gêné principalement dans le combat. Mais à part ça, bon, écoutez, au final le jeu était pas trop mal. Les gros point négatif que j'ai à faire au jeu au final, enfin le principal, c'est le scénario. C'est le scénario, et pendant le premier générique, j'allais dire, mais le scénario, en fait, y a rien, je sais pas où ils ont voulu aller, et heureusement que la toute fin, au final, relève donne un peu d'intérêt au scénario, et pour moi, c'est quelque chose, cette envolée scénaristique, c'est quelque chose qui aurait dû arriver à partir de la moitié du jeu, et pas à la fin. Parce que là, le problème, c'est que tout le jeu, on sait pas trop quoi il a servi, à part faire crever des personnages les uns après les autres. Et c'est dommage, c'est quelque chose qui aurait dû arriver vraiment plus tôt. Donc le scénario, qui décolle beaucoup trop tard, en fait, qui décolle qu'à la toute fin, ce qui est vraiment dommage. Et puis autre chose que je trouve assez étrange, c'est que le jeu est très linéaire et a enlevé pas mal de mécaniques de gameplay. C'est-à-dire qu'en fait, d'un côté, on sent qu'avec ce second obscur, ils ont voulu pousser un peu plus certaines mécaniques, comme le fait d'avoir plusieurs personnages contrôlables, avec chacun ses capacités. Mais ils ont... en contrepartie, diminuer d'autres mécaniques, comme le fait de, notamment cette histoire de cette mécanique de lumière là qu'on avait dans le premier, qui permettait d'affaiblir les monstres. C'est quelque chose qui est beaucoup moins présent, qui est quand même présent, hein, dans la mesure où on a toujours le flare gun, on a toujours la super lampe, ce genre de truc. Mais voilà, c'est beaucoup moins présent et le jeu est beaucoup plus linéaire. Alors, il me semble avoir compris que, ou lu quelque part, en tout cas même ça se comprend en jouant au jeu, que ce Obscur 2 a eu un budget quand même bien moindre, et une équipe bien moindre que pour le premier. Et effectivement ça se ressent. Ça se ressent globalement. Par la linéarité, par le scénario qui est beaucoup moins bon, on sent que le truc a été fait... on sent qu'ils ont pas eu je pense qu'à mon avis... En fait le truc c'est que ce Obscur 2, il y a du potentiel. Il y a du potentiel, mais on sent clairement que il y a un truc qui a fait que les gars ont été complètement bridés. Quand ils ont fait le jeu, quoi. Ils ont pas pu faire tout ce qu'ils voulaient faire, hein. Ça se sent clairement. Même jusque dans la mise en scène, qui est très hachée, très découpée, qui manque vraiment de fluidité, de finition. Et ça se ressent vraiment. Et puis au final, je pense que cet Obscur 2, au final, non seulement le jeu était un peu haché, et le Obscur 2 a pas dû fonctionner. En tout cas, peut-être moins que le premier, parce que... Enfin, en tout cas, au final, il n'y a pas eu de troisième. Et clairement, quand on voit la fin de ce Obscur 2, il y avait clairement la place pour un troisième. Et c'est dommage, quoi, parce que c'est une série qui avait du potentiel. Et c'est dommage de faire que ce second épisode... Au final, je le trouve... J'ai clairement envie de dire que je le trouve moins bon que le premier. Mais il n'est pas si moins bon que ça. Il est différent... Globalement, il est moins bon. Très clairement, pour moi, il est moins bon que le premier. Il est moins bon, mais
mais il y a quand même du potentiel. Il est quand même différent sur son rythme, dans la mesure où déjà on est moins, c'est moins ouvert, c'est un peu plus linéaire. Et puis il y a plus de personnages aussi. Mais voilà, je sais pas trop quoi dire sur Sobscure 2. C'est très étrange. Ça me fait un petit peu penser au second film. Vous savez, quand on fait au cinéma, quand il y a un bon gros film qui cartonne, en l'occurrence les Teen Movies, hein, je pense à ça. En plus, c'est ce dont s'inspire Obscure. Et souvent, les Teen Movies, il y a toujours un premier épisode qui est très bien. Et juste derrière, les gars, attirés par le pognon, se disent on va vite faire un deuxième épisode en surfant sur le succès du premier. Et le deuxième épisode est toujours moins bon que le premier. Ça arrive très souvent au cinéma, ça arrive assez souvent aussi même dans le jeu vidéo. Et j'ai l'impression que c'est le cas un peu de Sobscure 2. J'ai l'impression qu'ils ont voulu aller peut-être un peu trop vite en besogne. Enfin, je sais pas. Après, moi, je connais pas du tout l'historique, hein, derrière le développement du jeu. Mais c'est dommage parce qu'il y a du potentiel. Il y a du potentiel et c'est dommage que ce deuxième épisode n'arrive pas à aller à s'élever au moins au niveau du premier, quoi. Et c'est vraiment dommage, je trouve, que le scénario ne décolle qu'à la fin. C'est vraiment mon plus gros regret sur le jeu. Parce que autant, voilà, je peux me faire une raison, comme je le disais, hein, sur le fait que voilà, j'ai pesté contre le gameplay, tout ça. Je peux me faire une raison sur le fait que même si c'est frustrant et que c'est pas clairement pas, à mon avis, le meilleur moyen de mettre en place un game design, je comprends le parti pris des développeurs. Par contre, le scénario, clairement, je vois pas pourquoi ils le développent qu'à la toute fin, quoi. Enfin voilà, écoutez, c'était Obscure 2. C'est dommage qu'il n'y en avait pas eu de troisième, il y en a eu un autre, hein, mais c'était une espèce de Beat'em All, je crois, en version cartoon, enfin ça n'a plus rien à voir avec Obscure. Donc c'est dommage que la série se soit arrêtée là. Je sais pas qui c'est qui possède la licence Obscure maintenant. Peut-être qu'un jour on en aura un suivant, qui sait. Quoi qu'il en soit, je m'attendais pas du tout à le terminer aussi vite, en fait, ce jeu-là. Pour moi, je pensais que ça durerait au moins jusqu'à la courant, voire à la fin du mois de février, et au final on n'a pas fini le mois de janvier que c'est déjà fini. Donc, est-ce que je vais commencer Silent Hill 4 ou est-ce que je vais faire un petit truc entre temps? Je ne sais pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, merci à toutes et à tous d'avoir regardé ce Obscure 2. J'espère que l'aventure vous aura plu. Pour moi, c'était très intéressant à faire. Déjà parce que voilà, j'avais plutôt apprécié le premier. Et aussi, je trouvais ça plutôt intéressant de faire un jeu qui me plaise pas tant que ça. Je trouve ça intéressant même pour moi de pester un petit peu contre un jeu. Ça me permet un petit peu d'élargir un petit peu mon champ de vision et d'ouvrir un petit peu plus mon esprit et pas juste de rester dans mes zones de confort, on va dire. Donc c'était pas plus mal. Donc merci d'avoir regardé cette aventure et je vous donne rendez-vous très bientôt pour les prochaines. Et puis ma foi, d'ici là, comme de coutume, et bien portez-vous bien. Allez, salut !